Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne La Grâce Beauty. Si vous êtes nouveau, prenez une chaise, installez-vous. Et si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, et abonnez-vous et de cliquer sur la cloche des notifications. Comme je dis souvent, si tout va mal, on y croit, on reste positive et on reste zen. Aujourd'hui, on va parler sur la repousse de cheveux et le bienfait de l'ail sur notre corps. Sachez bien que l'ail est un antibiotique naturel qui traite, qui prévient et traite les infections courantes comme le rhume et la grippe. Et l'ail, c'est une excellente digestion. L'ail c'est une protection cardiovasculaire. L'ail est un aliment anti-cancer. L'ail joue beaucoup de rôle c'est un remède contre le douleur dentaire. L'ail, dans le domaine de beauté, l'ail, c'est une solution contre le vieillissement cutané. Et l'ail aussi est un aliment anti-chute de cheveux. Si vous avez des problèmes de cheveux, même si vous voulez perdre du poids, l'ail est là pour traiter même les ongles. C'est un soin complet pour les ongles. C'est très, très important. Nous négligeons souvent l'ail et l'ail, c'est très, très important. Aujourd'hui, je vous ramène l'ail. Comment faire le jus de l'ail pour boire, pour utiliser sur vos cheveux, comme vous venez de je vous ai expliqué. L'ail aussi, c'est un allié mincer. Tu peux perdre du poids grâce à l'ail. C'est très important. Vous faites ce que je fais, vous mixez l'ail, vous enlevez la peau, vous faites de l'ail. Et puis vous lavez l'ail, vous mettez dans votre mixeur, vous mixez les tout et vous cherchez un petit collant que vous mettez au pli et vous mettez à l'intérieur et vous récupérez juste le jus de l'ail. Et tout ce qui va rester comme déchet, ne jetez plus s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser sur vos ongles, vous pouvez le manger, c'est très bien, c'est un antibiotique. Vous savez tous, si vous partez dans la pharmacie ou allez voir un médecin, si vous demandez à votre médecin traitant que j'aimerais bien avoir un antibiotique, le médecin n'a pas vraiment... ils n'aiment pas au fait prescrire un antibiotique chez le patient, je ne sais pas pourquoi, mais l'ail est là, c'est un antibiotique naturel que vous pouvez utiliser pour la chute de vos cheveux. Vous avez des problèmes cardiovasculaires parce que ça, c'est vraiment un antibiotique fort. Moi, ce que je fais, là j'ai récupéré le jus, mais je n'ai pas vraiment eu le jus que je voulais. Et là, je viens encore rajouter de l'ail, je mixe, chercher un collant qui est très propre, que vous mettez au pli, vous coupez et puis le collant pour juste récupérer le jus de l'ail. Et appliquer sur vos cheveux, vous allez voir comment est-ce que j'en fais, comment est-ce que j'utilise l'ail, mixez-les, c'est très bien. Ne négligez pas l'ail, l'ail est très important, même pour la digestion, vous avez des problèmes, même pour le problème même de myome et tout, l'ail c'est très 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 important. Utilisez l'ail et c'est hyper bien, vous n'allez pas être déçu. Vous avez problème de l'alopécie et tout, utilisez l'ail, c'est super efficace, c'est très bien. Ce sont des produits naturels et l'ail, c'est l'international, c'est partout dans le monde. Là où vous êtes je ne sais pas où, vous pouvez juste prendre de l'ail, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans un autre pays, même là où vous êtes, et utilisez l'ail et c'est très important. En fait, j'ai à utiliser aussi pour mes cheveux, j'ai utilisé l'ail et l'oignon. Je mélangeais aussi, j'ai à mélanger avec du miel et ça a vraiment marché. Pour aujourd'hui, moi, je me suis dit que je vais utiliser rien que l'ail sans pourtant rajouter autre chose à l'intérieur, rajouter du miel, aloe vera. C'est possible, mais moi, je me suis dit, je vais d'abord utiliser l'ail. Et je mange l'ail. Ça pique tellement quand on mange l'ail parce que ça traite beaucoup de choses, beaucoup de maladies que nous, on ignore souvent. Et c'est top, 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 top. Dès que vous finissez à mixer votre ail, cherchez au moins une petite bouteille et mettez le jus en intérieur. Et c'est top. Et vous allez voir comment est-ce que j'utilise l'ail. Je viens vraiment insister là où j'ai des trous, des trous, des trous, des trous. Et vous voyez m'excuser.
Et vous savez bien que j'ai coupé mes cheveux. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vais mettre le lien de la vidéo. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que je fais mon picture. Et je viens vraiment insister là où j'ai les trous. Parce qu'on a du mal, au fait, à... surtout devant, on a les cheveux ont du mal à pousser. Donc, j'insiste surtout là où j'ai des trous. Vous allez remarquer ce que ça commence déjà à pousser. Parce que j'ai utilisé l'ail et l'oignon. Et c'est qui top. Là, maintenant, j'utilise juste l'ail. Et je frotte. Il faut laisser. Si vous n'allez pas sortir, vous allez rester à la maison. Laissez l'ail que ça pousse reposer. Ne fût-ce que 2 heures du temps si vous n'avez rien à faire. Utilisez l'ail, comme je vous ai dit, même le déchet, ne jetez pas, utilisez pour vos ongles et mangez-les, c'est très très bien, c'est vraiment un antibiotique super naturel. Vous avez des enfants qui ont toujours des grippes, rhumes et tout, et frottez même le déchet que je vous ai dit, vous pouvez même mettre dans votre chevet et laisser reposer les produits et utiliser ce shampoing, les shampoings super, regardez comment ça pousse, mes cheveux ça pousse, c'est très bien. Peignez le chevet et vous avez des problèmes de l'alopécie. Je vous dis que ça va être top pour vous. C'est vraiment un produit miracle, moi j'appelle. Et après cela, moi ce que je vais faire, dès que je vais finir, quand je vais faire 2 heures du temps, parce que je suis à la maison, je ne sors pas, je vais venir laver mes cheveux avec ce shampoing. C'est le shampoing de la marque LR qui est très bien. Ça favorise aussi la pousse de cheveux, c'est très bien. C'est vraiment un médicament. Quand vous le mettez dans votre cheveux, ça pique. C'est-à-dire que ça traite très bien. Je vais mettre le lien de la boutique en ligne. Comme ça, vous pouvez aller acheter les shampoings. Dès que vous utilisez votre lye, allez acheter ces shampoings. C'est en duo avec le tonique. Je vais mettre la photo, vous allez voir. Et c'est super bien. Lavez-vous bien les cheveux. C'est bien de mettre de perruque. C'est très bien. Moi-même, je vends de perruque. J'ai ma propre marque de perruque. Mais si vous avez des cheveux qui ne sont pas bien, qui ne sont pas propres, à quoi ça sert, au fait, toujours mettre de perruque? Parce qu'il y aura des fois une urgence qui va te dire... Par exemple, on peut t'appeler, non, viens ici, il y a une urgence, tu ne vas pas mettre ta perruque, tu vas aller comme ça avec ta tête. C'est mieux de prendre soin de ses cheveux et utiliser des lies. Regarde comment est-ce que je récupère le J. Et là, je n'ai même pas de pensée 100 € pour l'ail, c'est juste des centimes, c'est 5 centimes, 1 €. Vous avez de l'ail, vous pouvez mixer. Lavez vos cheveux avec ce shampoing. Je vais mettre le lien de la boutique en ligne, regardez, c'est top, c'est top. Et voilà, c'est vraiment top. N'hésitez pas à liker la vidéo et dites-moi en commentaire si vous utilisez aussi le produit. Vous utilisez aussi l'ail chez vous à la maison parce que les gens ont toujours tendance à avoir peur d'utiliser. Je vous fais des bisous. Laissez-moi un petit commentaire. Comment est-ce que vous utilisez l'ail chez vous à la maison? Au revoir. À très bientôt.